Bah oui, on arrive. Après, c'est vrai que c'est un peu plus compliqué. On est souvent en concert et en déplacement, du coup, on voit un peu moins nos proches, notre famille et tout. Mais dès qu'on rentre, on rentre tous les 3-4 jours en général, même pour un jour. C'est vrai que c'est compliqué. On a vraiment. En fait, on n'a pas arrêté depuis que le sommaire 2015 a buzzé. Donc, depuis août, on a fait que de la musique, des promotions, faire de la télé, de la radio, tout ça. Des concerts. C'est vrai que ça fait un peu les montagnes russes, quoi. Parfois, on est au taquet, on est toutes les trois dans la même ambiance. Ouais, c'est génial ce qu'on fait, on adore. Parfois, on a des moments de doute, on se dit mais pourquoi nous, pourquoi on... Enfin, c'est incroyable ce qui nous arrive et on en est super contente et super fière. Mais le fait que ça soit arrivé d'un coup, on peut se remettre en question, quoi. Enfin, normal. Et après, le fait d'être trois aussi, on se connaît par cœur, et il suffit, même sur scène, il suffit d'un regard pour qu'on se comprenne. Ça, c'est une grande force pour nous parce qu'on se repose vraiment les uns sur les autres. Et puis en plus, enfin, ce qui était aussi hyper stressant, c'est quand on nous a annoncé qu'on faisait déjà une tournée, quand on nous a annoncé toutes les dates, des Olympias et tout. Et c'est vrai qu'à la base, nous, on n'avait rien. Enfin, on faisait des concerts, mais c'était pas. C'était des concerts où on faisait beaucoup de premières parties. Et on n'était que toutes les trois, juste violoncelle, le tome d'Elisa et le chant. Et du coup, on n'avait pas tout un show qui était monté, on n'avait rien. Donc là, c'est vrai que c'était vraiment la pression. En novembre, décembre, janvier, on n'arrêtait pas d'y penser parce qu'on devait travailler le show en janvier. Mais là, avant, on était là, mais qu'est-ce que ça va donner? On va pouvoir, il faut faire 1h30 au moins. Les gens, ils ont payé leur place pour venir voir Ellie J. Il faut que ce soit, ouais, que ce soit bien, quoi. On assure. Veut... Ah ouais, il faut qu'on assure. Et là, c'était vraiment la pression. Après, quand on a fait les résidences, c'est là où on travaille pour monter le spectacle et tout. Et ben voilà, ça s'est plutôt bien passé. On a fait des dates et là, on voit que ça se passe bien. Donc là, on est un peu plus... En tout cas, au niveau du live, on est moins stressé. On sait, on connaît notre show. Voilà, c'est plus stable. Mais c'est vrai que c'est souvent des moments comme ça où d'un coup là, ah oui, il y a ça à faire, mais il faut qu'on fasse ça. Pas le temps en plus. Pas le temps. Et du coup, ouais. Mais là, du coup, quand on part là sur les routes, maintenant on est plus sereine déjà. Ouais. Ça nous a enlevé un poids de bien travailler, d'être sûr, que les gens ont des bons retours aussi là, des concerts, donc on est contente.